ce soir? Oh là là, c'est une belle question. Ce soir, j'ai vécu quelque chose de positivement communautaire. C'est-à-dire que c'est un festival qui accueille. J'y vais direct, c'est ça? C'est moi la présidente. Bon, alors écoutez, comment dire, un film, c'est comme une recette, hein, c'est comme un plat, il faut plusieurs ingrédients. Il faut du scénario, il faut du jeu, il faut du son, de l'image, et que toutes ces choses soient à un niveau épatant, sinon au minimum égal. On a tout vu, on a vibré, et on a été obligé d'en choisir un, parce qu'il faut en choisir un qui doit être au-dessus des autres. Et donc, le prix du jury de ce 5e festival BLK est allé au film Ferrari. Alors, Mata Gamin, un nom qui a toute son importance ce soir, puisqu'elle est la présidente du jury. Mata, bonsoir. Bonsoir, Queen, bonsoir. Qu'avez-vous vécu ce soir? Oh là là, c'est une belle question. Ce soir, j'ai vécu quelque chose de positivement communautaire. C'est-à-dire que c'est un festival qui accueille. Donc, j'ai vécu un moment où on est là, des amoureux du cinéma, des amoureux de l'art, et on célèbre ensemble le fait que des gens de l'autre côté, avec une idée qui était dans la tête, une idée qui ensuite a été écrite sur un scénario, mis sous le bras, à la recherche des productions, etc., c'est devenu un objet, un bijou, un petit bébé, et on a tous regarder ça ensemble, on a vibré et donc mon œil a même pleuré parce qu'il y avait des moments très émouvants et je trouve que c'est un moment qui est privilégié, que je veux réitérer aussi souvent qu'on m'invitera et qui me donne envie d'encourager tous les artistes du continent, tous les artistes de partout à être dans l'exigence, dans l'excellence et surtout dans la persévérance. Parce que ce sont des métiers de persévérance. On n'arrive pas comme ça, tchou, pouf, et puis on y est. Non, ça met du temps. Il y a des échecs. Les échecs, ce sont des expériences, ce sont des leçons. On se relève et on continue. Eh bien, moi, je vais dire quelque chose ce soir. Je pense que ce soir, nous allons célébrer les paroles de Mata Gamin. Et on la remercie pour son interview. Merci, Mata. Merci, Queen. Merci beaucoup.